Eh bien, salut tous les amis, c'est Archie, comment ça va? Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on part pour le tuto sur les quêtes du tout, montrer comment réaliser donc ces fameuses quêtes. Mais en tout cas, amis, je vous rappelle que le code créateur Archie est toujours disponible dans la boutique et c'est pas à utiliser pour me soutenir, mais également soutenir Archie en achetant vos skins, vos battle pass, énormément de nouvelles promotions sont disponibles dans la boutique. N'hésitez pas à utiliser le code créateur Archie en tout cas pour me soutenir et soutenir la chaîne. Merci à toutes les personnes qui utilisent ou que disons le code créateur Archie pour le soutien, vous apportera certainement. Merci beaucoup pour ça. Pour cette nouvelle quête, il va falloir rester 3 secondes dans les airs avec le avec un bateau en fait, tout simplement. Donc on va aller directement récupérer un bateau. C'est plutôt simple en réalité à récupérer ce fameux bateau, puisqu'il y en a un peu partout autour de Sanctuaire maintenant. Et surtout il y en a un ici où il y a la course hein, que l'on avait faite pour les précédentes quêtes. Donc on va récupérer un bateau et je vais vous montrer comment en fait rester 3 secondes dans les airs grâce à ce fameux bateau. Donc en fait on va aller directement, on va avancer sur le sur la course, et vous allez voir que sur la course il y a certains emplacements qui vont nous permettre donc de rester 3 secondes dans les airs plutôt facilement et rapidement. Donc là vous voyez qu'on a un tremplin ici en fait, devant nous on a un petit tremplin qui va nous permettre donc de faire la quête. Maintenant on a laissé en bas à droite monter le boost en fait. On est où exactement? On est juste ici hein. Vous voyez qu'il y a la station essence qui est affichée maintenant. On est juste derrière l'île avec les fusées, et donc là on a un petit lancement et on a notre boost qui est au maximum. Donc on va prendre le boost et on va prendre le tremplin en même temps, et là on va rester 3 secondes dans les airs comme ça grâce à ce fameux tremplin. Donc si vous voulez être encore mieux en fait, simplement c'est, on va reprendre le même pour éviter d'aller prendre les prochains puisqu'il y en a tout autour de la zone. On va récupérer le même tremplin et on va rester avec, on va toujours prendre notre boost hein, en fait. Et tout simplement déjà on va avancer sur le tremplin et on va pas mettre notre boost tout de suite. Hop là, là on va mettre notre boost juste après. Et en fait faut mettre le boost vraiment au dernier moment quand on est parti, au moins on reste réellement 3 secondes dans les airs. Donc vous avez plusieurs façons de faire cette technique là. Donc soit vous faites ça sur les tremplins comme ça, c'est vraiment la meilleure solution, la plus simple. Sinon vous pouvez également, donc tout simplement vous pouvez prendre ici juste les petits pads ici qui ont été ajoutés. Donc on prend le pad, on fait un boost et là vous voyez que largement on est resté 3 secondes dans les airs assez facilement, puisque on a pris le pad, on a sauté et en plus on a pris le boost. Donc automatiquement on est resté 3 secondes dans les airs. Regardez là, hop là, et le boost, et on arrive facilement à tenir 3 secondes dans les airs quand on prend le boost en même temps que l'on prend le pad, et automatiquement on aura terminé la quête. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo, également à vous abonner pour ceux qui varient prochainement en termes de tutos, d'astuces, de news, énormément de choses en préparation vont arriver sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à rester connecté en vous abonnant à cette même chaîne, mais également activer la petite cloche pour avoir les notifications des prochains lives, des prochaines vidéos. On est en live pratiquement tous les soirs sur cette même chaîne YouTube. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, on fait énormément de choses en live, donc n'hésitez pas à vous abonner puisqu'on joue ensemble surtout en live. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la chaîne YouTube sur laquelle on est actuellement. En description vous avez mon compte Twitter, mon compte TikTok, n'hésitez pas à les suivre pour booster un maximum ma chaîne et surtout ne plus rater aucune information autour des lives comme des vidéos. Ça se passe sur mes réseaux sociaux en dessin, n'hésitez pas à les suivre pour booster un maximum ma chaîne. Dernière chose amis, mon code créateur est toujours disponible dans la boutique, et c'est pas utilisé pour me soutenir mais également soutenir la chaîne en achetant vos skins, vos battle pass, énormément de nouvelles de promotions sont disponibles dans la boutique. N'hésitez pas, code créateur Archie pour me soutenir et soutenir la chaîne. Merci à toutes les personnes qui utilisent ou qui utilisent le code créateur Archie pour le soutien, vous apportez à sa chaîne vraiment. Merci beaucoup pour ça.